Bonjour à tous, c'est Ejohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Nice-PSG avec à la fin la victoire du PSG 2 buts à 0. Donc, ce fut très bien pour le PSG d'enfin pouvoir gagner parce que ça avait beaucoup pensé que le PSG allait perdre. Mais justement, on va dire, le PSG a su, malgré un match quand même pas si exceptionnel que ça, a réussi à se défaire du piège niçois parce que c'est que Nice c'était quand même une bonne équipe. En vrai, ils ont quand même des bons joueurs sur le papier, même si c'est vrai que je pense que l'entraîneur n'a pas trouvé un bon schéma de jeu parce qu'il y a quand même beaucoup d'anciens internationaux qui avaient un bon niveau. Donc en soi, le PSG justement va d'abord ouvrir le score grâce à Messi. C'est que Messi qui est sifflé, mais il faut être honnête, Messi, même si bon, on le voit pas trop, il marche, mais il est quand même là, c'est-à-dire que il a quand même quelques actions dans le match où il est présent, soit c'est par des bonnes passes, soit là pour me séparer un but, voilà, il est quand même présent. Alors c'est vrai que la plupart des gens attendent plus de Messi parce que voilà, il a plein de ballons d'or et tout. Mais bon, il est quand même décisif, c'est-à-dire que je pense pas que c'est lui à siffler. Voilà, je veux dire, soit on siffle toute une équipe, mais voilà, le PSG il perd pas que à cause de lui, je trouve ça c'est un peu abusé. Comme par exemple, justement, sur ce match, bah, c'est exactement comme le match précédent. Messi fait un bon match, et Mbappé est complètement passé à travers, mais là, vraiment d'un niveau exceptionnel, parce que non seulement il a quasi rien fait, c'est-à-dire que voilà, son jeu d'appel de balle, tout ça, bah, il n'y a rien eu. Voilà, il a peu de sprint, il n'a pas dribblé. Et à la fin de match, honnêtement, il avait une occasion avec le but vide. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va la mettre au-dessus. Et donc, là, ce qu'il fait, c'est plus dur même de la mettre au-dessus que de la mettre dedans, au niveau-là. Donc là, voilà, ça montre que Mbappé n'est pas en confiance. Mais là, Mbappé, honnêtement, il est plus du tout au niveau. Alors, c'est vrai que quand on voit ça, est-ce que c'est vraiment lui qu'il faut garder? Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup pensent qu'il faut virer entre Messi ou Neymar. Mais honnêtement, Mbappé, avec tout ce qu'il coûte, et il est décisif, parce que là ça fait comme plusieurs matchs que Mbappé il fait pas grand chose comme avec le PSG, surtout là dans les matchs importants, et c'est des autres joueurs qui sauvent le PSG. Soit le PSG a réussi à s'imposer aussi grâce à Donnarumma, parce qu'il a fait comme un super match. Voilà, il a sauvé beaucoup de buts là, il faut être honnête, parce que c'est ça qu'on critique souvent, mais sur ce match il a été décisif. Et justement, ça me fait penser que Donnarumma, je pense qu'il est pas à sa place au PSG, parce que Donnarumma, c'est, on va dire, c'est un, je pense que ça peut être un très bon gardien, mais avec des équipes moins fortes, voilà, donc qui concèdent beaucoup d'occasions, parce que quand il était au Milan AC, c'était un peu ça, la défense, elle n'était pas du tout exceptionnelle, donc il avait beaucoup de choses à faire, et là justement on voit très bien quand il a beaucoup d'arrêts à faire, et bien il est présent. Mais c'est justement sur les matchs où, par exemple, il y a un ou deux arrêts à faire, et bien il n'est pas présent. Et ça honnêtement, c'est quelque chose qu'il n'y a pas tous les gardiens qui sont capables de faire. Par exemple, Navas avait ce truc-là parce qu'il a joué au Real Madrid, donc il n'y a que les gardiens qui ont joué dans des très grands clubs qui sont capables de faire ça, et encore pas tous, parce que c'est vrai qu'il faut garder sa concentration, et je pense que c'est peut-être ça qui manque à Donnarumma, parce que là, elle fait comme des super arrêts, il y a des arrêts que je suis sûr qu'il y a d'autres matchs, ils n'auraient pas fait. Donc je pense que Donnarumma, à mon avis, il n'est juste pas à sa place au PSG, il lui faut une équipe, justement, peut-être qui concède plus d'occasions, et pas une équipe qui, normalement, ne concède pas beaucoup. Mais c'est vrai que là, si le PSG a concédé beaucoup d'occasions, c'est que la défense était vraiment du gruyère, hein, faut être honnête. Heureusement que ce Nice n'était quand même pas si exceptionnel que ça, parce qu'en soi, là, ça passait facilement. Et d'ailleurs, sur le match, c'est même Nice qui était plus dangereux que le PSG, parce que c'est vrai que le PSG, on va dire, ils ont été plus réalistes, mais ils n'ont pas eu beaucoup de très très grosses occasions. C'est vrai que ça n'a pas été un match exceptionnel pour eux. En deuxième mi-temps, ben, Ramos, il va réussir à mettre le deuxième but, donc c'est vrai que Ramos, il fait quand même du bien, et je pense que lui, limite, il faudrait le mettre capitaine, même si c'est vrai qu'il a de l'âge, mais c'est comme un joueur qui, même s'il a un certain âge, il en veut. Par exemple, si on compare à Messi, au moins, il a faim, il marque, il est toujours présent. C'est que Ramos, pour moi, c'était comme une bonne recrue, même si c'est qu'il y a des matchs, bah, bon, il passe un peu à travers parce que voilà, peut-être l'âge et puis il court moins vite. Mais il est capable de marquer et d'être présent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque au PSG, parce que pour moi, il me fait un peu penser à Thiago Silva, qui justement qui était présent, en tout cas autant défensivement, autant devant le but, parce que là, il a quand même, on va dire, sur certains tirs, on va dire, il a quand même fait des bons tacles, il a quand même détourné pas mal de tirs. Donc pour moi, sur ce match, Ramos, honnêtement, il a. Voilà, il a bien joué, alors c'est vrai qu'il lui manque un peu de vitesse à cause de son âge, mais il n'est pas si, on va dire, si terrible que ça. Bon, après, c'est vrai qu'il a un très gros salaire, mais je pense que c'est quand même un joueur à garder à mon avis pour l'année prochaine, et il ferait une erreur, honnêtement, de le virer quand on voit justement ce qu'il y a sur le banc. Parce que là, c'est vrai que quand on regarde le banc du PSG, honnêtement, sur ce match, et ben, voilà, on se demande quel mercato ils ont fait, parce qu'il n'y a aucun bon joueur. Quoi. Parce que là, non, moi, je suis Galtier. Qui sait que tu changes pour remettre quelqu'un à la place, parce que tu sais bien que là tu vas perdre vraiment en niveau. Donc à moins s'il y a un blessé, mais c'est vrai que le banc du PSG l'avait fait peur. Donc pour moi aussi, ce qui est bien dans ce match, c'est que je pense que grâce à ce match, ça montre que le PSG va être champion, parce qu'ils sont capables comme de gagner des matchs, même si des fois ils vont peut-être galérer, mais ils sont capables d'aller gagner les points qu'il faut. Alors c'est vrai que le prochain match contre Lens, il va être assez compliqué, mais je pense que s'ils le gagnent, ils sont champions.
Parce que je vois pas Lens honnêtement gagner tous ses matchs jusqu'à la fin, ni Marseille. Voilà, donc je pense que le PSG a quand même suffisamment d'avance pour pouvoir espérer comme gagner le titre, parce qu'on sait très bien qu'ils vont quand même prendre les points quand il faudra. Puis en plus, je pense que ce match va un peu les sortir de la crise qu'ils étaient, parce que c'est vrai que là, ils étaient un peu en crise. Avec tout le côté extra-sportif, avec les messages de Mbappé sur les réseaux sociaux, là justement, ils ont montré qu'ils n'ont pas besoin de lui pour gagner et qu'il y aura toujours au moins un joueur qui sera capable de le sauver. Si c'est pas Mbappé, ce sera Messi, c'est pas Messi, ce sera Romain Ramos, ou voilà, peut-être quelqu'un d'autre. Donc voilà, après justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Avant là, c'est des choses que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.